Oui, bonjour Laurent. Bonjour Olivier. Très heureux de vous retrouver pour ce grand rendez-vous de la gymnastique rythmique. Grâce, rythme et habileté gestuelle sont les composantes essentielles de l'ex-GRS qu'on appelle maintenant gymnastique rythmique. Et gymnastique rythmique, effectivement, la terminologie a évolué pour correspondre aux autres disciplines artistiques d'ailleurs. Et c'est parti là avec un exercice à la corde. Premier passage d'Anna Bessonova, nous vous l'avons fait vivre en direct. Et vous avez remarqué la grande différence par rapport à la gymnastique artistique, Laurent, c'est que tous les mouvements sont accompagnés sur un fond musical. Et ça donne énormément d'ambiance, énormément de grâce à toutes ces prestations de ces jeunes filles. Oui Olivier, effectivement, la musique c'est même plus qu'un fond musical, ça se marie complètement avec le travail, les exercices qu'on voit de plus en plus physiques et aussi chorégraphiques. Il faut être sur le tempo de la musique tout en alliant cette chorégraphie, regardez ici ce lancer de cordes avec les exercices de souplesse et rattraper la corde au temps. La corde c'est l'exercice le plus exigeant sur le plan physique en gymnastique rythmique. Il y a la corde, on verra tout à l'heure le ruban, on verra le ballon et la massue et puis les ensembles, voilà ce qui compose un petit peu la gymnastique rythmique. Voilà, et se rajoute à ces engins en gymnastique rythmique le cerceau également, mais qui souvent, ils utilisent 4 agrès sur 5 bien souvent à chaque compétition. Le cerceau, on le verra tout à l'heure dans les ensembles, lors des passages par équipe, notamment avec la Russie, qui est quand même la nation de la gymnastique rythmique aux ensembles. On attend la note d'Anna Bessonova, qui a 21 ans et qui va donc avoir cette note de référence de 16 400. Anna Bessonova, qui avait été médaillée de bronze.